Au terme des années 90, l'androgynie n'est plus ce qu'elle était. Les hommes ne veulent plus devenir des femmes comme au temps de David Bowie. Au contraire, ce sont les filles qui rivalisent avec les garçons. L'hymne de ce basculement est Sexy Boy, autre étendard French Touch, avec Daft Punk. Le son de R apparaît plus pop, élégant, presque mystique, porté par les vibrations particulières de Versailles. C'est un endroit merveilleux, c'est un endroit où il y a des énergies de fou, quoi. C'est... Il y a quelques endroits dans le monde comme ça. Alors, c'est pas pour rien qu'il s'est installé à Louis XIV. Ça a peut-être une influence sur le style de musique, puisque le canal de Versailles, le parc, c'est des endroits assez magiques et c'est des endroits qui nous ont nourris parce que moi j'y traînais depuis que je suis né. Donc cette idée de perspective, de l'équilibre, du calme, des grands espaces comme ça. Quand on faisait les textes, il y avait la télé qui était allumée, c'était Paris Première, il y avait des défilés de mode et on voyait des mecs, des mannequins passer. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours été assez complexé physiquement et moi, ça m'allait très bien qu'on fasse une chanson qui s'appelle Sexy Boy parce que j'aurais aimé à cette époque-là être peut-être un plus beau mec. J'aurais aimé avoir un corps d'athlète. Quand j'étais petit, j'étais à Florence et j'avais dessiné le David de Michel-Ange comme ça. J'étais resté toute une après-midi. À croquer ça, c'est quand même, les proportions sont assez incroyables quand même. On est dans des gens qui payent pas de mine, qui servent à rien dans une bagarre. Ce mec, regarde, ça c'est le combat de rue. Ça c'est bien, ça tu dois le filmer. C'est magnifique. Qui habitent dans des coins où il s'est jamais rien passé de véritablement dangereux et qui d'un seul coup font un son terrible. Rejoindre vos camarades du groupe Phoenix qui se trouve derrière vous. Pourquoi eux? Parce que d'abord ils sont très talentueux, je pense que dans un an ils seront à notre place ici. Et ensuite parce qu'on se sent bien avec eux, parce qu'ils viennent du même endroit que nous. Mm-hmm. Et on a vraiment envie de rester soudés pour ces nouvelles expériences qui nous attendent. C'était des mecs avec des petites mèches, un peu timides et des polos. Et c'est ça finalement la French Touch, c'est des gens qui avaient envie de participer au devenir de la musique. Sans se faire trop peur, quoi. Et là, vous vous retrouvez sous le feu de tous les projecteurs du monde. C'est beaucoup pour deux petits Versaillais. Je dirais qu'il y a eu 5-6 ans où on a vendu la musique de producteur comme de la musique d'artiste, en fait. Et c'est pour ça que moi, j'étais super mal. J'ai dû faire des clips, prendre des photos, alors que moi, j'étais bien dans un studio. J'étais pas du tout le genre de... C'est pour ça, notre côté français, quand tu parlais de Michel Colombier, de Jean-Claude Vanier, c'était des gens qui étaient consacrés à la musique, c'était pas des frontman, quoi. Et moi, j'aimais ce côté homme de l'ombre, comme ça. À l'origine de cette bande de Versaillais, il y a Orange, couleur 70s par excellence, mais surtout groupe pop composé par les deux futurs R, Nicolas et Jean-Benoît. Et un certain Alex Goffer, qui avec Étienne de Crécy fonde les disques solides. À l'aide du studio de création H5, le label affirme l'identité visuelle de la French Touch. Un minimalisme en rupture avec la surcharge graphique de l'époque liée à l'abus de Photoshop. On était loin de la musique électronique là. On avait commencé par monter une assos pour organiser des concerts à Versailles. Et finalement, des concerts, c'était trop compliqué, trop de travail. Et puis finalement, c'était plutôt le recording qui nous intéressait. Et c'est ça peut-être qui nous a emmené vers la techno, cette fascination pour la technique et le pouvoir faire soi-même de la musique. Et puis du coup, ça nous a amené à faire de la musique différemment, parce que l'outil nous a induit dans la boucle, dans la répétition. On a commencé à fréquenter des musiciens anglais, américains, qui sont tous fans de synthé, parce que nous, on était un peu... On avait mis ça au goût du jour, les Moog. Quand on les voit manipuler des Moog, ils font des sons très kitsch, en fait. Et nous, on faisait des sons romantiques avec les Moog. Puis il y avait les Allemands qui faisaient des sons très froids, très industriels, comme Kraftwerk, et que j'admire énormément, qui est un de mes groupes préférés au monde.
Mais moi, j'ai pas été élevé dans la roue. Moi, je veux des sons romantiques, je veux des sons sexy, je veux pas des voix de robots, je veux des voix d'anges. Un jour, quelqu'un est allé voir Iggy Pop dans son logement à Londres et lui a dit comment va sonner le prochain disque des Stooges. Il a pris un verre, il l'a cassé par terre, il a dit ça va sonner comme ça. Et moi, j'avais. Si je devais définir la musique de R à l'époque, c'était comme un frisbee qui n'atteindra jamais le sol, quoi. Il n'y a pas du tout de côté liturgique dans ma musique, ni de côté, on va dire, il n'y a pas, j'ai l'impression, de trucs héroïques ou grandiloquents où j'essaierai de parler à je parle au corps, moi, vachement, c'est pas très catholique ça comme principe. C'est vrai que R, ils ont un truc très religieux. Moi, je sais que leur concert, des fois, t'as un peu l'impression d'être à la messe. Maison 10 nous avait payé 15 jours à Gang, qui est un studio mythique à Paris. Je cherchais une texture pour la voix et à Gang, il y avait un orgue à monde avec une cabine Leslie. La Leslie, c'est un haut-parleur qui tourne sur lui-même à une très très grande vitesse. Et tout d'un coup, on a entendu la voix dans la Leslie. Et là, c'était fou, quoi. C'est-à-dire que là, c'était un effet dingue, dingue, dingue. On a rejoué le morceau et je devais redéclencher la voix avec le sampler. Et à chaque fois que j'appuyais sur Sexy Boy, sur le petit bouton, il y a un petit bouton Hunter sur la scène qui déclenchait le sample. À chaque fois, je voyais ma vie s'éloigner, ma vie d'avant s'éloigner et la nouvelle vie qui arrivait comme ça. Vers minuit, je suis sorti, je suis allé dans le quartier de la Bastille et j'ai fait la fête toute la nuit. Je rentre au petit matin chez moi à Montmartre en sachant que voilà, une page se tournait.